Bon bah voilà comment ça se présente. Un petit dongle à mettre à la place du câble sur la prise ODB. Voilà. Et puis pour info, le truc qui est cool, c'est qu'on peut remettre le cache. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Le cache est remis. Après, niveau du téléphone. Il faut se connecter en Wi-Fi sur le réseau qui s'appelle MHD. Alors on voit pas bien là parce que je sais pas ce qu'il y a là. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas de code, rien. Il suffit juste de se connecter dessus. Et après, dans l'appli MHD, directement, ça va reconnaître qu'il y a un câble. Alors attends, je sais pas pourquoi ça fait des traits là. Voilà. Par exemple, clear DMR code. Tac. Voilà. Alors, pareil, hein, faut toujours avoir le contact. C'est la même histoire qu'avec le câble. Et dans Thune, par exemple, pour vous montrer la rapidité du flashage. Flash MHD map. Donc, moi, E50. DKG. Donc en option, ouais, bon, on s'en fout. Moi, je vais juste la reflasher juste pour vous montrer la rapidité. C'est parti. Là, c'est assez bluffant. Regardez-moi ça, là, comment ça va monter vite, là. Alors en sachant que déjà les N55 quand même pour c'était un petit peu plus rapide que le N54. Donc ça je pense que ça vient du type de calculateur ou du firmware, je sais pas. Mais il fallait avec le câble, il me fallait un peu plus d'une minute. Et là, avec l'adaptateur Wi-Fi. C'est déjà fini là. Clearing code. Voilà, 35 secondes. Donc voilà. J'ai plus qu'à couper. Et c'est terminé.